Hey les potes, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes. Et donc tout simplement on est sur la chaîne de la Obscure Clan pour mon plus grand plaisir. Avant de commencer la vidéo je tiens à me présenter brièvement. Donc voilà, moi c'est AllGamer. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je fais des vidéos et des commentaires sur YouTube. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Si cette vidéo pouvait me faire atteindre les 300 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'ai été recruté tout simplement par Warnix. Donc franchement, grand merci à toi frérot, ça me fait extrêmement plaisir d'être dans l'équipe de la Obscure Clan. Et donc tout simplement le gameplay que vous avez sous les yeux, et c'est un grand plaisir de le commenter. C'est une nucléaire only headshot encore à la Shiva, donc c'est un world first, donc qui a été réalisé par Phasor. Donc franchement un gros GG à lui, n'hésitez pas à le remercier dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça, et tout simplement à vous abonner à sa chaîne qui se trouvera aussi en description. Et une nucléaire only headshot, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est une nucléaire seulement dans la tête, ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il a réalisé les 30 kills de la nucléaire en faisant tout simplement ses 30 kills dans la tête, et il me semble qu'il a fait quelques invincibles après. Donc voilà, ça fait un petit GS et franchement je trouve ça vraiment cool. C'est assez dur moi je trouve, même si je suis pas player, voilà, je réalise souvent des nucléaires et ça m'arrive dedans de faire 5-6 headshots, mais pas de réaliser 30, et franchement je trouve ça une très grosse performance pour moi. Et en plus c'est fait encore, donc voilà, encore c'est en mode simple, donc il n'y a pas d'hardcore, et je trouve que ça donne un peu plus de difficulté, c'est un peu plus compliqué. Malheureusement dans sa nucléaire il a fail un ou deux kills qu'il a fait dans le corps et qui ne sont pas comptés en headshot, mais ne vous inquiétez pas, il les rattrape après sa nucléaire car il fait plusieurs invincibles. Donc voilà, pour moi c'est pas un fail ou quoi, c'est pas du fake ou rien, voilà, c'est vraiment, il a réalisé 30 kills voire plus en headshot, voilà, en série. Donc pour moi c'est un très beau gameplay, en plus de ça c'est un world first, donc franchement gros GG à lui. Voilà, je tenais à dire avant de finir cette vidéo, tout simplement parler un petit peu du recrutement de l'Obscure. Voilà, pour ceux qui se demanderaient, voilà, qui penseraient qu'ils pourraient tout simplement rentrer dans l'Obscure, bah en fait je vais vous expliquer tout simplement. Moi c'est Warnix qui est venu tout simplement me contacter pour que j'intègre l'équipe de l'Obscure Clan. Donc franchement merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir frérot. Donc voilà, si vous voulez rentrer tout simplement, il va falloir attendre le prochain recrutement. Ça sert à rien d'aller voir les leaders sur Twitter, sur Skype, tout ce que vous voulez. La plupart du temps ils vont tout simplement vous dire d'attendre les recrutements, parce que même moi il y a énormément de gens qui viennent me demander tout simplement en privé. Donc voilà, je suis obligé de tous vous répondre la même chose les potes, je peux pas faire de préférence ou quoi, je ne suis pas leader. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de rentrer dans l'Obscure, il va falloir attendre un recrutement, ou alors tout simplement les leaders vont venir vous contacter sur Twitter ou bien sur Skype s'ils sont vraiment intéressés par vous. Donc tout simplement on va arriver à la fin de ce commentaire. N'hésite pas à féliciter le player dans l'espace des commentaires, à t'abonner à ma chaîne, à la chaîne du player et surtout à la chaîne de la Obscure Clan, et activer les notifications. Si tu peux aussi partager la vidéo et mettre un gros pouce bleu, ça nous ferait à tous plaisir, à l'équipe de la Obscure Clan. Donc moi je vous dis à plus les potes pour une prochaine vidéo, c'était AllGamer.